tous. Là actuellement nous sommes dans le sud-ouest, je suis toujours avec Magali. Voilà. Nous allons dans un endroit, comment dire, c'est vas-y Magali, je pense que tu connais mieux que moi le coin. Un endroit où à l'époque c'est du 12e. Les gens qui avaient la fameuse maladie je sais plus. ils étaient considérés comme des pestiférés qui apportaient une maladie sans les toucher. C'était simplement la. Ben je sais plus. Ah, ça y est, si je sais. Nous avons un trou. Vas-y. Voilà, ces gens avaient la lèpre et ils vivaient dans les coins renfoncés des pins, des landes, dans la forêt, et ils venaient dans le village, et à chaque fois qu'ils passaient, les gens autour d'eux fermaient directement leur volet, peur d'attraper la maladie de la lèpre. Voilà. Et donc ils avaient le droit d'aller simplement à la source du village. Et pour aller à la messe, à l'église, ils avaient une entrée prévue à l'effet de ces gens malades. D'ailleurs, on voit l'église. Voilà, juste en face de vous. J'espère qu'on en voit bien. Voilà. Voilà, donc on va vous montrer plus tard. Donc ils avaient une entrée prévue pour ne pas être mélangés au reste de la population. Voilà. Et puis ben voilà, Jean du Sud, qui joue à la pétanque. Mmh. Voilà. Et ah ben c'est beau, hein, c'est combien, 21. 22. Bonsoir. Bonsoir. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, voilà, ces gens se rendaient. Ils avaient des problèmes de vue. Et donc ici la source est reconnue miraculeuse pour ses effets de retour à la vue en se badigeant, en se mouillant les yeux avec l'eau de la source. Bon là nous croisons la nationale, hein. On va pour inquiéter pas, on marche au milieu de la route, mais on va essayer de sortir de là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dehors actuellement. On va traverser la route et aller montrer la fameuse entrée des fameuses personnes qui étaient porteuses de la maladie, la lèpre, qui pouvaient rentrer dans l'église par le côté. C'est 12e. Elle a été refaite à ça de 2-3 ans. Mmh. Et l'entrée des pestiférés était là. Mmh. Ben oui, c'est la route de la plage en même temps. Mmh. Donc beaucoup de circulation. C'est beau. Magnifique. Super clocher de l'église. Bien sûr, je suis désolé, mais on vous dira pas l'endroit. Hein, parce que... On va pouvoir y aller de face maintenant. Bien, magnifique.
Ouais. C'est magnifique. Ouais. Alors on va aller voir cette fontaine. Enfin non, c'est pas une fontaine, Magali. Si, il y a la fontaine. C'est la fontaine. Et la source est un peu plus loin. D'accord. Voilà, de l'église par elle-même. Pour les gens non malades. Alors là, je ne sais pas si. Oui, je vais dire. Ouais. Attention derrière toi, c'est ça? Alors attends. Je vais essayer de. Donc dans ce village, on entend les cloches sonner toutes les heures, toutes les demi-heures. Il y a du l'orgélisme du matin, du midi et du soir. Enfin, du midi, du matin et du soir. On peut passer à travers, non? Non, ah, mais ça, pour visiter, pour rentrer à l'intérieur, tu dois demander la clé à la mairie. Oui, non, mais je veux dire, pour rentrer dans l'église, non, pas trop. Non. Alors le presbytère, je pense, le presbytère en fait, quand on revient pas, il est de l'autre côté. Ah ouais? Ouais, il est de l'autre côté. Et là, on a montré l'entrée des espérés pour l'église. En face, on va faire le tour comme en haut de sens. On devrait reculer. Là, tu dois reprendre le chemin là-bas. Oui, on nous a oublié le notre ami cadeau. Le météo, c'est déjà ça. Non, c'est pas grave. Là, tu vois, hein? En passant. Là, c'était l'ancienne église, l'ancienne mairie et école. Il n'y a rien d'allumé là. Normal. J'ai pas allumé de lumière. Pas besoin. Je pense pas qu'il n'y a pas besoin de lumière pour l'instant. Bon. Et là, c'est le fameux chemin, Magali, alors. Ça, c'est le chemin municipal. Deux, trois. Ouh. Tu peux me le montrer s'il te plaît à la caméra? On va reculer. Ah, ouais. Est-ce que c'est un à-coup comme c'est en descente? C'est bizarre ça. Hein? Ah ouais? Avec. J'ai une batterie de faible sur la gauche, je crois. Ouais, j'ai celle-ci qui est faible. Elle éclaire plus du tout. Ouais. Non, t'as plus rien là. Plus rien. Ah bon? Ouais. Rien du tout. Non. Toutes les diodes sont allumées. Bon, on va essayer d'y aller en. Bon, alors nous avons oublié le cadeau.
on se répète, hein. Un peu dessus. Oups là, oups. Oups, excusez-moi. Ah, alors, c'est vite, l'espace hein. D'un instant, il n'y a plus rien. Je te l'aurais montré autrement. Bah oui, mais je veux bien te croire. Je fais quoi, 3 pas? Quoi, ça va rien changer. 3 pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit là? Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu là, s'il vous plaît? Beaucoup de mouches. Ouais. C'est pas loin de l'eau. Tombé de la nuit. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis avec Magali. Savoir si vous, je vois qu'on a eu une fluctuation à 2 et quelques. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, vous rapprocher? Bonsoir. Touchez le fil bleu là, s'il vous plaît. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Sur la place, à hauteur de l'église, en descendant vers la rivière, il y a eu une fluctuation. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Qui manifestait éventuellement une présence. Et ici aussi. N'hésitez pas, rapprochez-vous. Touchez le fil bleu. Bon. Mais si vous voulez vous rapprocher, n'hésitez pas. On continue à avancer. On entend un petit peu de monde là-bas. Allez, c'est parti. À de suite. Oh, qu'on s'en fasse le temps de très fouiller comme ça. Enfin... Ah. Quelle heure vient de sonner là? 10h, 22h. Il est 22h, il fait 19. 19. 19-2. 19-2. Et on approche ensemble. Et nous sommes le 7. Non, nous sommes le 24 mai. Voilà. Bon week-end. Alors oui, il y a des coins mystérieux. Nous en connaissons, oui. Qui sont ouverts à tout le monde, hein, mais bon, nous ne sommes pas là pour dire quoi que ce soit. Oui, tu as quelque chose. Bah, c'est 04, 03, 02, c'est infime, mais sans le K2, on ne peut pas avoir grand chose. Alors, est-ce qu'il y a de l'électricité qui descend normalement? Non. Alors, je n'ai pas le téléphone, je peux le laisser, donc ça ne peut pas être le téléphone. Voilà, je peux faire avertir, toujours pareil, nous n'avons pas de téléphone. Nous n'avons pas besoin de ça. Bon, du coup, ça. Voilà, ici on rejoint le chemin. Mmh. Il y a du monde, il y a beaucoup de touristes, c'est pour maintenant, les jeunes. Hein? Ici? Oui. Ouais, c'est de fou ça. Alors, à droite ici, et ça descend. Mmh. Ici. La porte va être de face. Mmh. Waouh! Voilà. Alors là, je vais. Non,
Ouais, mais je vais me rapprocher, t'inquiète. Excusez-moi si ça bouge un peu parce que nous sommes. Voilà. Alors, la fameuse fontaine. La fameuse fontaine sacrée. Saint-Clair. Saint-Clair. Et tous les ans, une messe est dite sur ce lieu. Je me recule un peu pour. Je vais faire. Voilà, bon, là, alors nous sommes. Je sais pas si on voit bien la croix. Je vais essayer de me rapprocher. De face, mais attends, stop, t'as une marche. Oui, j'ai vu. Là. Voilà la croix. Oui, la lumière du même éteint, ça y est. La croix. La fontaine, la fameuse fontaine. Il y a quelques années, autour de, je vais dire, une centaine de kilomètres, la fontaine était connue pour son eau. Okay. Et les gens venaient avec des bouteilles d'eau pour boire cette eau au quotidien. Ils revenaient le week-end, etc. Mais cela fait quoi, 2-3 ans, l'eau n'est plus analysée, donc les gens ne viennent plus. Après, tu peux te mettre un petit peu plus à droite et tu verras. Ça a été grillagé pour que personne ne jette de détritus à l'intérieur. Mmh. Seigneur notre Dieu, dans la parole sanctifie toutes choses. Daignez répandre votre bénification sur cette croix. Et faites que tous ceux et celles qui s'inclineront devant elle, selon votre loi et votre volonté, obtiennent de votre route toute puissance par l'invocation de votre saint nom, la santé du corps et le salut de l'âme par le Christ notre Seigneur. Voilà. Et cette fontaine était. Tu peux écrire un peu plus, s'il te plaît. Voilà. Était voilà, reconnue miraculeuse pour. C'est les problèmes de vue, surtout. Au départ, c'était pour voilà, les pestiférés qui avaient la lèpre et après pour tous les gens qui avaient des problèmes de vue. Et cela... Bon, le mail ne s'est toujours pas... Non. Non, rien du tout. Okay. Alors, les lépreux n'avaient pas droit... Elle n'avait pas accès ici à la fontaine. Il y a un petit chemin qui mène réellement à la source. Je ne sais pas si ça a été nettoyé, puis de nuit, ça ne va peut-être pas être si facile parce qu'on n'est pas venu de jour d'abord. Étant donné que Magali connaît bien les endroits. Bon, alors on c'est va voir. C'est le bouton vert. Moi je pensais que tu le poserais pour éventuellement mettre. Faut que je rallume. On y voit avec. Ah, mais je sais pas qu'il y avait plusieurs fonctions. Alors là, une croix. Devant. Oui, s'il te plaît. Prends-toi ça, s'il te plaît. Tu verras mieux. Non, tu te le mets devant. De quoi? Ouais, il est
pas éclairé. Il est pas éclairé. Pas de 7. Non. Mais t'es bien quand tu l'avais mis. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. 2-8. Ouais. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je suis Eric, je suis avec Magali. Nous voudrions rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu, s'il vous plaît? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Alors, il y a eu 2-8. J'ai pas eu le temps, je crois, de j'ai la voir. J'ai eu 2-8 quand je te l'ai passé. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas eu le temps, je crois, de le filmer. On verra ça plus tard. C'est deux fois. Deux fois de suite. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous à part les moustiques? Moucheron. Nous sommes entourés de moucheron. Merci, j'ai bien mangé. Veuillez vous partir chez vous, s'il vous plaît. N'hésitez pas, touchez-moi le fil bleu là. Celui-là. Bon. Attention où on marche parce que c'est. Oui, mais là on peut pas marcher à deux. Non, mais c'est pas grave. Marche pas à deux, c'est pas le problème. Le problème il est pas là. Hop. Alors nous sommes bien équipés, hein. Éclairage. On va dire chez nous au taquet, frontal, latéral, devant, derrière. Alors nous sommes carrément dans un parcours, le parcours des lépreux, ce qu'ils appellent, c'est ça Magali, le parcours des lépreux. Alors on va jusqu'à la source réelle de la fontaine. Bon, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas peur. S'il y a quelqu'un avec nous qui n'hésite pas à se manifester, nous ne sommes pas méchants, au contraire. Nous voulons juste communiquer avec vous. Alors c'est rempli d'ortie. Merci. Il y a de la bouillasse, de la boue. Alors c'est le parcours des lépreux. Il venait se laver ici. Ben on va laisser Magali commenter. Allez vas-y Magali, tu peux commenter. Pas grand chose de plus à dire. Que, bon. Voilà, ils avaient accès à la source directement pour ne pas éventuellement contaminer les gens du village. Voilà. C'est tout petit. Et si on voit bien, c'est vraiment la source. Tiens, d'ailleurs, il y a il est entre pétard et grenouille. Là, on le dérange. Est-ce que tu vois le remous du oui, sable? Oui, je vois le remous du sable. Ça, c'est la source de la rivière. Voilà, éclaire-le bien. Hein, parce que... Voilà, super. Mais en ce moment, il n'y a pas trop d'eau. Hein. Non, mais on voit bien le sable remué. Et quand vous voyez un truc comme ça qui date des millions d'années, des milliers d'années. Ça sent la menthe. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Bonjour, moi c'est Eric et je suis avec Magali.
Bonsoir. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait continuer le chemin et aller jusqu'au lavoir du village qui est abandonné depuis. Ça a été fermé. Mais apparemment, ça n'a pas été nettoyé pour avoir accès. Ouais. Mais on pouvait continuer. Mais bon, la nature a repris. A repris le dessus. Ouais. Et c'est bien dommage. Parce que là, il y avait l'histoire aussi, l'avoir du village, en évitant les pestiférés qui passaient ici à la source. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pestiférés, maintenant. La lèpre, ce sont les gens qui avaient la lèpre. Repoussé de tout le monde. Voilà. Bon, en même temps, on fait de l'histoire, hein, un peu. Mais voilà, et cette source et la fontaine étaient reconnues pour étant un miracle pour retrouver la vue pour ceux qui avaient des problèmes de vue. Voilà, ceux qui ont des problèmes de vue, si vous regardez cette vidéo, eh ben. Les gens venaient de 100-150 km à la ronde à notre époque pour venir chercher de l'eau en bouteille pour la consommation quotidienne. Mais ça fait 2-3 ans que l'eau n'est plus analysée, donc les gens ne viennent plus. Donc elle était très bonne et très connue. Et n'a jamais été commercialisée. Voilà. Bon. Nous allons faire demi-tour. Je pense pas, non. Tu veux pas prendre une photo? Non. Ça te dit rien? Ah, deux fois, tu sais. Hein. Ouais, c'est ton jamais. Donne-moi ça. Pose-le là. Je pose ça. Ouais. Même tu peux l'éteindre si tu veux. Bonsoir. On aimerait bien avoir une photo. Est-ce que vous pourriez vous présenter devant l'appareil? Moi, je suis toujours avec le mail. Hein. C'est mon ami qui est en principe à la main. Parce que. Voilà, moi, je ne sais pas si vous entendez l'appareil photo. C'est en jamais. Prends un peu ouais, vers ma gauche, là, ici, des fois. Tu as mis le flash? Tiens-moi ça. Là, il y a le flash. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, 01, non. Ah, rapprochez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Nous sommes là pour discuter avec vous. Moi, c'est Eric. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu, là, s'il vous plaît? N'hésitez pas. Rapprochez-vous. Ne vous bousculez pas surtout. Chacun votre tour. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez discuter avec moi? Avec la Spirit Box? Rentrez en contact, c'est un appareil qui permet que je vous entende. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous touchez le fil bleu? S'il vous plaît, rapprochez-vous.
N'hésitez pas, n'ayez pas peur. On vous prend en photo là. Moi je vous ai par le biais de la caméra. En espérant ben, vous avoir dans la caméra. Est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu s'il vous plaît? N'hésitez pas. Bon, mais je vais essayer autre chose. Hein? On essaie la cigarette? Non. Je fume pas. Non, moi ce que j'aurais voulu vous demander, est-ce que vous veniez souvent à la source? Quand vous sortiez de votre habitation écartée du village. Est-ce que vous veniez à la messe au village? Non. J'aurais cru qu'ils étaient vers toi. Attends, j'ai senti quelque chose. Hein. Il y a un lavoir un tout petit peu plus loin, mais on n'a plus accès à cause de la végétation. Est-ce que vous alliez au lavoir qui se trouve entre la source et le cimetière? Bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher le fil bleu, là? Soyez gentil. Nous sommes pas méchants. Si vous voulez parler à Magali, touchez le fil bleu. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon déjà oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. N'ayez pas peur. Si oui, essayez de toucher le fil bleu de l'appareil. C'est inoffensif. On aimerait bien communiquer avec vous. Il y a du monde ici qui reste depuis... Bon, tiens, pardon. Je ne mettais pas un coup. On va revenir sur... Juste un son. Ouais. Je prends la lampe. 28 pardon 04 ils sont vers toi hein. Bon est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Non j'ai pas le cadeau, désolé messieurs dames, j'ai oublié le cadeau, alors on fait avec hein. C'est sans. Moi je voudrais savoir s'il y a quelqu'un. On reviendra, pas ça, vous inquiétez pas, on reviendra. J'aimerais bien parler avec vous. Je connais bien ces lieux. On viendra pour approfondir la chose. Je connais bien l'histoire de ce village. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose. Il y a un château pas loin. Ici. Un château qui date de la même époque que l'église. Il y a des gens qui ont souffert ici, de par cette maladie repoussée à l'époque. N'hésitez pas, rapprochez-vous. Nous sommes là pour savoir, pour connaître, pour discuter avec vous, et par l'occasion même vous aider si vous voulez. J'ai avalé un moucheron. Ouais, nous sommes envahis de moucherons. Il y a un autre lieu dans ce village assez éloigné qui concentrait beaucoup de familles autour d'un moulin et qui venait aussi ici à la source. Il y a beaucoup de personnes qui vivaient dans la forêt et qui venaient ici à la source. Est-ce que vous êtes présent?
cette source a fait beaucoup de bien. Tu tousses? Non, j'ai avalé un moucheron. Je pense qu'il voulait faire des petits. Ouais, ben, peut-être que tu auras des bébés bientôt. Eh ben. La source est toujours là. Est-ce que vous êtes toujours présent à côté? C'est un bien-être de venir sur ce lieu. S'il vous plaît. On l'appelle toujours la source miraculeuse. Malgré les décennies qui séparent ce temps. Une messe est célébrée tous les ans. Le temps n'est pas arrêté. Est-ce que vous êtes présent autour de ces moments-là pour la fête Saint-Clair? Je vais essayer. Essayez de toucher le fil bleu. Alors, je vais essayer la Spirit Box. Venez. Simplement pour vous comprendre, on aimerait bien parler avec vous. Alors ça se demandait s'ils ont peur. Je crois pas. Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous avez peur de vous approcher? De vous manifester? Nous, on veut simplement que vous manifestiez. Pour entretenir une petite conversation, pour comprendre, on aimerait bien comprendre beaucoup de choses de votre vécu, de votre vie après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Moi, mon prénom, c'est Eric, et vous? Est-ce que vous nous entendez? Nous, on ne peut pas nous entendre, mais par le biais de cet appareil qu'on vient de mettre en fonction, on peut communiquer avec vous et vous pouvez nous parler. Mon prénom c'est Eric et vous? Est-ce que c'est vous qui avez manifesté votre présence il y a un petit moment là, quand l'appareil est monté dans le chiffre? Est-ce que c'est vous qui avez touché la petite antenne bleue? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler? On vous entend. Oui, vous pouvez parler. Avec l'appareil que Eric tient. Oui? On a entendu quelque chose, on n'a pas pu vraiment déterminer votre voix et vos paroles. Est-ce que vous pourriez répéter? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? N'hésitez pas. C'est comment votre prénom? Moi c'est Eric.
pas à parler, on vous entendra par le biais de l'appareil qui est un peu bruyant mais qui est inoffensif. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Mon prénom c'est Eric et vous? Je suis avec Magali. On vous écoute. T'as éteint ta porte? Non, j'ai un moment. Mais t'as mort. Sinon, on va pas avoir de batterie pour le moment. On essaie d'économiser au maximum. C'est là, enfermé. Elle n'est pas éteinte. Là, je sais pas. Tu le vois, non? Ben non, je vois pas. Comment, hein? Là, ouais, c'est bon. Bon, est-ce que quelqu'un voudrait parler avec moi, là? Oui? N'hésitez pas. C'était bien ici dans la forêt, au calme. C'est apaisant. C'est un lieu serein ici. Avec la source qui jaillit. Bon. Bien. De toute façon, on reviendra, vous inquiétez pas. Là, c'était juste faire une petite approche. Une petite approche. Surtout qu'on l'a fait de nuit. Voilà, on l'a fait de nuit, on l'a pas fait de jour. On reviendra de jour. On reviendra de jour. Hein. Et de nuit à nouveau. Mais il y a bien quelque chose. Quelqu'un, voire autre. Et ce qui est dommage, c'est que vous voyez en face là, c'est qu'on. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Hein. Là, voilà. On peut pas vraiment. Ouais. Avant, c'était nettoyé, mais bon, comme avec tout. Voilà. C'est vraiment fermé. Donc. Mais quand même, la visite jusqu'à la source. C'est du travail. Bon, on va faire demi-tour. Là, Magali. Si tu veux, tu peux te rallumer la torche. Alors. Non, c'est bon. T'as assez de lumière. Tout à fait de lumière. Ben oui, c'est. Voilà. Ouais, fermé. Oh, c'est moucheron. Je veux pas le prendre maintenant. Donc, il faudra retourner là-bas. Je voulais simplement voir. Apparemment. On peut peut-être aller jusqu'au lavoir. Mais pas aujourd'hui, là. Je voudrais y aller deux jours. Qu'est-ce que tu cherches, là? Retourner le chemin là-bas. Hein? On peut pas? Ça, c'est le chemin apparemment du lavoir, mais. Ah bon? Ah. Mais lui, on va au lavoir. Je comprends pas, là. Mais le lavoir, je suis même pas sûr. Je sais pas, hein. Je veux bien tenter, mais. Je préférerais y aller deux jours avant. Bon, alors. Pour le repérer. Parce qu'il n'y a pas de protection. Mais... Bon. Donc, nous reviendrons deux jours. Oui. Écoutons la patronne. Oui, non, c'est pas patronne, c'est que. Je sais pas où tu m'amènes. Ok. Je me suis. Ah, d'accord. Ah, je vais aller à gauche. Voilà. Je crois que Magali s'est paumée. Non, je n'ai pas parlé parce que c'est la rivière. Hein. Oui, merci. C'est vaseux. C'est vaseux, oui. C'est ce que je vois. C'est vraiment. Ouais.
Et si tu mettais ta lampe devant, peut-être que tu verrais mieux. Hein. Ah bon. J'y vois. D'accord. Tu n'entends pas ? Oui, on l'entend d'ici. C'est coulé. Je pense qu'il y a plein de racines. Ça glisse. Nous faisons le parcours du combattant. Je pense qu'il y a des racines qui ressortent. Ouais. Là aussi. Oui, t'inquiète. J'ai la tête en bas. Ah, c'est infernal, ça, les moustiques, les moucherons qui vous rentrent dans la gorge. C'est un truc de fou, ça. Ah. Ouais. Bon, j'espère qu'on voit bien. Je le souhaite. On va où là ? Et non, comme il a le cerf, il n'est pas contrôlé. La fontaine est une... D'accord. Oui, c'est ce que je disais depuis quelques années. On ne peut plus se servir de l'eau au quotidien parce qu'elle n'est plus contrôlée. Alors que les gens venaient à une centaine de kilomètres à la banque pour faire des réserves d'eau pour leur semaine. Un week-end après. Et là, l'eau qu'on entend, c'est quoi ? C'est la fameuse, le fameux ruisseau d'où tu as vu la source qui est à combien ? 20, un peu plus, peut-être 50, entre 50 et 100 mètres. Mmh. Et tu as vu d'où ça sort et le débit qui arrive ici. C'est une source, c'est... C'est un film et tu vois le début qui arrive. C'est quoi là-bas ? Je sais pas, c'est un animal ou un panne. C'est un chat. Je dirais un chat. Il doit être tout appelé. Je ne sais plus. Hop, c'est parti. Ah, du moucheron, il y en a quoi ? Non. Papillon. Non, non, il y a quelqu'un. Brillant comme ça. Ouais. Tu crois que c'est quelqu'un toi? Ben ouais, je vais y aller. Ça te va? C'est un drôle de chat alors. Je sais pas si on l'a bien vu. Il y a un truc là-bas. Je crois, les yeux. Mais bon. J'aime bien savoir. Je suis un curieux et un kamikaze.
qu'un chat. Oui, avec des gros yeux comme ça. Il est parti après. Bien sûr. Un chat avec des gros yeux. Oui, c'est une couleur tout vert. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est un peu plus vert. Ah, là, c'est pas un chat. Là. Là, juste là. On voit les yeux, là. Oui. C'est un chat noir et blanc, regarde la peur. Il sort le tronc de l'arbre, hein, traverse la rivière. Ouais. Bon, c'est un chat. Alors. Voilà, mon malmètre ne donne rien. Ben non. Ça a été vraiment auprès de la source. Non, mais on reviendra avec ce qu'il faut. Bon, j'ai oublié le K2, ben on reviendra avec le K2, déjà. Et auprès de l'église aussi, sur le chemin qui descendait voilà. À la rivière. On va faire le tour par l'autre côté, que tu puisses... Là, à gauche? Non. Ah. On va prendre le pont et on va tourner de l'autre côté de l'église pour le presbytère ouais. Qui se trouvait à côté. À l'opposé de... j'ai réussi à éteindre sans tout éteindre. Bon ben nous revenons sur nos pas. À la civilisation. Et on revient, oui, à la civilisation. En 2007. En 2007. Parce que 2007, tu m'as pas dit. Ouais, j'ai raté 10 ans, j'aime bien. C'est là, non? À droite, ça range. Non, on est arrivé de là, mais on va aller de l'autre côté de l'église, comme ça. On va aller plus tard. Tu vois la lampe jaune? Oui. Circulation. Hein? Dans le calme circulation, les gens vont. Là, on trouve la dune de sable. On est où là? Un national. J'ai l'impression là-dessus. C'est bizarre quand je sens les choses. Voilà. Ah.
L'église est juste derrière. Je sais pas si les gens habitent toujours. Il doit y avoir quelqu'un parce qu'il y a un drapeau. Avec une antenne de Sibi en plus. Je sais pas s'ils ont. Il y a une antenne de Sibi en plus. Oui, je sais. Mais s'ils habitent là, ils vont peut-être pas être contents qu'on éclaire leur fenêtre. Ça n'a rien à faire. Surtout pour les voitures. Bon, mais on va éteindre. Non ?